Ils ont dit, les gens sont en train de mourir, il y a quelqu'un qui est mort. Arrêtez le concert. Ils s'en foutent. Pourquoi? Wesh, que se passe tout le monde? C'est Red Azer et aujourd'hui, nouvelle vidéo, ok? Nouvelle vidéo d'actualité. Bon, je pense que tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois, c'est partout sur TikTok, partout sur YouTube, surtout les réseaux sociaux, ce qui s'est passé avec Travis Scott. Travis Scott, c'est qui? C'est un rappeur, ok, très connu et tout. Il se fait longtemps, il est dans le game et tout, mais bon, en tout cas. On n'est pas là pour parler de sa biographie et de son parcours musical. On est là pour parler de ce qui s'est passé dans son concert à Astroworld, ok, il y a quelques temps. Je pense avec quelques jours. Truc vraiment horrible qui s'est passé. Et bon, j'avais fait une vidéo sur mes autres réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir un peu plus dessus, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, Red Azer. J'ai fait des vidéos et tout, j'en ai parlé, j'ai fait des stories. Mais vraiment là... J'étais vraiment choqué quand j'ai vu ces trucs-là sur TikTok. Parce que la première fois que j'ai vu, c'était sur TikTok et c'était waouh. Donc déjà, on commence par le commencement. Par quoi commencer? 8 morts. Apparemment, il y a eu 100 blessés. Et ça, c'est les chiffres qui sont apparemment officiels. Mais moi, j'ai entendu qu'il y a eu beaucoup plus de morts. Beaucoup plus de morts. Tout ça, pourquoi? Pour un rappeur, man. Un rappeur qui s'en fout de nous. Tu vois, les gens, c'est un truc de fou. Tu vois, il y a des gens qui... vénère ces rappeurs ils s'en foutent de nous, vous êtes que un numéro, vous êtes que du chiffre pour eux, ils disent qu'ils aiment leurs fans à chaque fois, en tout cas je vais pas rentrer comme ça dans les détails mais on va juste visionner un peu le début, ok, qu'est-ce qui s'est passé au début, ok, regardez comment les gens se poussent, check là, check ça, check le nombre de personnes, waouh, ça c'est le début du concert là, qu'on peut rentrer, les gens ils sont rentrés comme ça, une foule, check ça, comment ils ont pété les clôtures, les gens sont par terre. Les gens sont fait pétiner. Apparemment, il y a eu des morts qui se sont fait pétiner. Check ça. Les gens tombent, ils remontent. Waouh, c'est incroyable. C'est quoi ça, bro? On n'est pas des animaux. Les gens, ils sont foutent de tout le monde. Je pousse le gars, je rentre, je pile dessus sa tête. Je m'en fous, moi, je vais juste aller voir Travis Scott. C'est ça qu'ils ont dans leur mentalité. Moi, je veux voir Travis Scott, je m'en fous de tout le monde. Je veux le voir, et non, je l'aime. Check ça, mais incroyable. Le nombre de personnes qui se poussent. Check ça, il y a des gens qui essaient d'arrêter. Des gens qui essaient d'arrêter ça, comme... des humains, tu vois, comme yo, qu'est-ce que vous faites? Yo, qu'est-ce que vous faites? C'est juste un concert, calmez-vous! Incroyable, bro. Incroyable, check ça. Ça continue comme ça, tu vois, encore plus de poussage. Et la police était là sur des chevaux, ils pouvaient rien faire. En tout cas, ça c'est le début, ok, c'était vraiment triste. Genre un big flow de personnes qui sont rentrées comme ça d'un coup, ok. Ok, ça c'est le début, ok, c'est même pas le plus. Mais tu vois un peu, tu vois l'énergie que les gens sont venus avec et tout, selfish. C'est chacun pour soi, tu vois, ils s'en foutent des gens, tu vois ce que je veux dire, ils s'en foutent des gens. Et c'est un truc de fou, man. Et qu'est-ce qui est fou, ok, qu'est-ce que tu vas voir, tu vas remarquer dans les vidéoclips que je vais vous faire visionner, c'est que... le rappeur, il a remarqué qu'il y avait des gens qui étaient en train de mourir. Là, je vais vous montrer des images de pendant le concert, ok, pendant le concert. Les gens étaient en train de se faire réanimer au sol. Les gens étaient en train de se faire réanimer au sol. Il y a des gens qui sont morts. La dernière chose qu'ils ont entendue dans leurs oreilles, c'est quoi? C'est Travis Scott qui fait « Yeah, yeah ». Parce qu'il a vu, il a dit, regardez, il a dit, les gens, il y a quelqu'un qui est en train de, quelqu'un qui est en train de s'évanouir, qui a perdu connaissance, allez l'aider. Ok, c'est bien ça, c'est très bien, bravo Travis. Et après, yeah, yeah, sérieux, il a continué son show. T'aurais dû arrêter le show, ok. Regardez, les gens, ils ont demandé, il y a un groupe de gens qui ont dit, arrêtez le concert. Il a continué, des gens qui sont venus sur le stage ont dit, les gens sont en train de mourir, il y a un gars qui est mort, arrêtez le concert. Ils s'en foutent. Pourquoi? Bien sûr qu'ils s'en foutent. Ils veulent l'argent. C'est l'argent. It's all about money. It's all about the moolah. Mais bien sûr. Et c'était vraiment triste, man. Quand j'ai vu ça, man, c'était vraiment, vraiment triste. Moi, je m'attendais que tu vois, il y aurait un arrêt. Il n'y a pas eu d'arrêt du tout. Pas eu du tout d'arrêt. Il n'y a rien eu du tout, man. C'était dégueulasse, man. C'était très triste. C'est très triste, bro. Des jeunes, j'ai même des adolescents, man, qui sont morts, man. Pff, incroyable. On voit
On voit ici le vidéoclip de le gars qui est en train de chanter, Travis Scott qui fait son rap. Et quoi? Quelqu'un qui se fait réanimer au sol par un paramédic devant tout le monde. Je sais même pas s'il est vivant, mais déjà, mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un proche pendant cet événement-là. Total fiasco, vraiment horrible, horrible. Ça a dégénéré. Et pour vrai, il y a des gens qui disent conspiration, c'était qu'est-ce qu'ils ont dit? Des sacrifices sataniques. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais yo, il y a des théories que j'ai vues, j'étais comme... le thème était très louche. Le thème de ce concert était très très louche. Et bon, moi je suis musulman et tout, moi je suis contre la musique et tout. Et bon, ça me fait encore plus me donner un point sur le fait pourquoi je dis que la musique c'est haram, que je suis contre. Mais bon, ça c'est ma religion, je vais pas rentrer la religion là-dedans. Mais je vais juste vous dire comme wow. Honnêtement là, ça c'est grave, c'est super grave. Regardez qu'est-ce qui se passe, man. Les gens sont devenus des fous pour aller voir des gens célébrités là, comme à quel point les gens ils sont prêts à aller aussi loin, déshydratés, peut-être ils ont pris des drogues. Et qu'est-ce qu'on sait? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment ils sont morts. Donc je sais qu'il y en a qui sont morts par suffocation, piétinés, mais je veux dire, c'est vraiment triste. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur est-ce que c'était un truc satanique ou pas, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de preuves et beaucoup trop de coïncidences par rapport à est-ce que c'était un rituel satanique, tout ce concert-là. Donc, est-ce que Travis Scott a fait un pacte avec le diable? Est-ce que Travis Scott a fait exprès de laisser les gens et de continuer parce qu'il voulait faire des sacrifices sataniques? Ça, je sais pas. On peut pas faire des accusations comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'était très irresponsable de continuer le concert. Ouais. En tout cas, c'est mon opinion. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. C'était Red Hazer. Vidéo quand même triste, mais importante. On est là. Peace!